toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est un haul. Action. Bonjour à toutes et à tous. Elle était plus rapide que moi aujourd'hui. J'ai piqué la vedette. Tu parles d'une vedette. Ah, vas-y, commence. Donc, ça sera un haul action, mais pas que. Oui, un mini haul action. Ouais. Parce que là, on n'a pas arrêté. Tu dis pas, ça va être quoi le truc? Le quoi? Bah, ce que tu vas faire après. Bah si, après, parce que les gens n'ont pas forcément envie de regarder et tout. Donc après le haul action, il y aura une présentation d'album. Ouais. Bon. Voilà. Allez. Ah, je commence? Bah oui. Ah, désolée, oh, moi j'ai pas tout suivi. Hein. Alors, petite gourmandise. Petit lapin. Mais non, les Celebrish. C'est pour ton âme. Non, pas pour ton homme, pour mon homme. Ah bon, j'ai envie. Pour ton père et pour mon homme. Non, donc, mais je mangerai avec lui. Bah évidemment, lapin pour Pâques. Hein, voilà, je mangerai mais, avec lui. 3,79. Je mangerai avec la lui. La boîte de 215 grammes. Oui, bah tu mangeras ouais. Avec lui si ça, tu veux. Ça, c'est compté comme deux. Ah, puis dedans, il y a les nouveaux aussi. Oh, il y a des Bounty. Enfin, oh, voilà. Bon, vas-y, ensuite. Alors, on poursuit avec la petite gourmandise. Et tellement petite gourmandise que j'en ai déjà mangé. Hein. Et ah oui. Ah oui. 0,69 centimes. Donc, les petits gâteaux fourrés goût amande. Voilà. J'en prends rarement, mais de temps en temps, il faut se faire un petit plaisir. Même si j'y ai pas trop droit, c'est pas grave. Hein. Oh, bah, qui était allez, ouais, pas vrai. À toi. C'est ce que j'ai oui, parce que c'est un petit haul, on avec, va pas mettre 3 heures. Avec des bonbons, du coup. Alors, qui a coûté 2,29. Voilà. Et il y a combien 500 grammes. 500 grammes ouais. De Haribo. Donc, je trouve. C'est à moi. Oui, allez, vas-y, on poursuit. Avec le spray. Ah, ce coup-ci, il est pas resté sur le, ouais, la, parce dans fait, la caisse. Pour la semaine dernière, on avait tout payé. Et là, quand on regardait si on avait tout, on était chez nous. On regarde. Oh bah, qu'est-ce qui manque? Oh bah, le spray, bien sûr. Oui, bah c'est pas grave. Ah bah voilà, et ça coûtait 99 centimes. J'ai le goûté. Tu continues avec ça, comme ça on aura fini avec la bouffe, s'il te plaît. Et des Oreos à 1,49. Voilà, comme la semaine dernière, ça n'a pas changé de tout. Tu veux manger? Bah oui, mais bah, moi, je continue. Du coup, tu continues. Alors... J'ai pris ce serre-tête pour Pâques, du coup, parce que j'en voulais un. Et en fait, il y en avait plusieurs, mais moi, je voulais un avec des lapins, du coup, je suis allée voir ma mère. Elle me fait une collection de serre-têtes avec des personnages, hein, ouais. Parce que entre Halloween, Noël, etc. Et le pire du pire, c'est que ils ne sont jamais portés le jour I, le jour J. J, le jour I. Oh voilà, la neuneu. Le jour I. Je sais pas, c'est nouveau, ça vient de sortir. Maman. Quoi, le jour J. D'accord, c'est... allez, c'est bon. Merci. Le jour J, bon, après, c'est rigolo. Alors, c'est parti pour goûter. Alors, moi, je vais poursuivre avec une petite boîte de rangement. Oui, encore et toujours. Donc, les petites boîtes qui sont à, qui font 32 longs sur 17 de large et 8 de haut. Voilà, 17,5 même de large. Et donc, 2 litres 4 sinon. Elles sont très bien pour ranger les planches de tampons. Du coup, 1,59 €. Voilà, je mets toutes les planches de tampons avec Dice de chez Action dedans. Parce que j'ai d'autres systèmes de rangement pour mes tampons. À toi. Attends. Ah, ça fait la langue bleue. D'accord. Et l'autre aussi faisait la langue rose. Mmh, tropical blue. D'accord. Continue-moi les avec trucs super, une casquette. Oh, oh là. La dernière. Une casquette en plein hiver. Mais parce qu'elle est trop belle. Le pire du pire, c'est qu'elle voulait la mettre. Hein. Je lui dis non, mais ça va ou quoi? Donc, à la maison, là, tu peux la tester. Bah. Voilà. Combien c'était, la casquette? Je ne me rappelle plus, là, j'avais 1,99. Voilà, donc ça vaut le coup pour... Elle est trop belle. Quand il va faire beau, ça va être sympa. Dites-moi dans les commentaires s'il est beau ou pas mon foulard. Bah oui, il est beau. C'est bien.
Voilà. C'est bon? Yo mon pote. Mais enfin, avec l'étiquette, ça fait. Alors ensuite, j'avais vu sur la promo, enfin pas la promo, sur. Sur le site. Sur le mail. Ouais, le mail qu'on reçoit avec les produits qui sortent. Et donc, il y avait une petite guirlande LED avec des petites fleurs. Voilà. Alors, il y a combien de fleurs? 10. Donc là, j'avais pris dans les tons bleu et vert. Et puis, j'en ai pris une autre avec un peu vert orangé. Ouais, il y a du vert, l'orange et même un peu... Et une joine blanche. Ouais, une pâquerette. Ouais, je sais pas trop. Voilà. Donc, j'ai pas eu l'idée de mettre deux piles pour vous montrer. Mais bon, vu qu'il fait encore jour, on va pas voir grand-chose. Donc, 1,29€. Et je trouve sympa. Voilà. Ensuite. J'ai ta voix. Ça. Ça. Oui. On va continuer avec des chaussettes. Une autre petite. Enfin, ouais. Les trois paires de chaussettes pour 1,79€. Et c'est du 31,34€. 31,34€, bah oui. On va pas te mettre du 35-40 pour toi. Oui. Voilà. En plus, elles sont de bonne qualité. Hein. Elles résistent dans le temps. Hein. Toutes celles qu'on a, ça va. Hein. Ensuite, donc, à moi. J'ai trouvé le classeur d'embossage que je voulais avec les petites étoiles. Il y avait d'autres. Hein. Il y avait le motif là. Il y avait le motif là, il me semble. Mais en fait, voilà, j'avais vraiment envie que de celui-ci. Du coup, toujours à 95 centimes. Et puis, j'ai retrouvé un deuxième. Alors, j'espère que c'était bien celui-ci que j'avais pas. Non, je suis en train de me poser la question. Enfin, bref, je vérifierai. Et donc, celui-ci, pareil, hein, le 10 x 15 à 95 centimes. Pas très logique, me direz-vous, parce que c'est vrai que. Celui-ci fait 10 sur 15 et celui-ci fait 15 sur 15 et c'est le même tarif. Donc bon, il y a des fois. Il y a des choses qu'on ne comprend pas chez Action. Moi, je continue avec un plaid. Parce que comme ça, avec ma mère, on aura chacune notre plaid. Puis ça va aller ensuite dans ma future chambre. Donc il est c'est un vert, hein, vert bleu. Ouais, vert ouais, bleu. Vert bleu avec des petites. Pointe de brillant. Et comme ça, il fait 1m30 sur 1m70. Je pourrais me caler sur le canapé pour regarder MacGyver. Voilà. Et c'était combien le tarif? 4,95€. Voilà, c'est bien. Ah, je sais ce que j'ai oublié, moi, de te reprendre. Ton truc, là, de Nunu, là. Et puis je poursuis avec des enveloppes bulles format plus A5. Donc les 5 à 0,99 centimes. Quel truc là, j'étais un petit peu en rade d'enveloppes. Et comme j'ai encore une paire d'envois à faire, c'était bien que je réinvestisse. On ne trouve plus les belles. De différentes couleurs, mais je pense que c'était spécial fête en fait. C'est quoi ton truc là? C'est pas trop grave. Ton truc nini. Ton truc anti-stress, soi-disant. Ah oui. Bref. Et ensuite, je me suis pris le même truc que ma mère parce que je l'ai piqué tout le temps. Oui. Pas pour l'école, hein, je vous rassure. Et j'en ai pris deux pour offrir à une copine. Bah moi j'ai fini. Non, t'as pas fini ton truc. Je vais le chercher. Mais je sais pas où tu l'as mis. Il est resté en bas. Attention. Oh voilà. Passe bien devant. C'est bien. Alors moi maintenant je termine avec des blocs de papier. Alors il y avait certains nouveaux 30-30, mais j'en achète plus. J'achète plus de 30-30. D'une part j'en ai bien trop. En plus, chez Scrap Plaisir, j'achète toutes les séries qu'on sort. Et je préfère la qualité, voilà. C'est bien pour faire en déco, mais pour faire des structures, etc., c'est pas possible, ça craque, ça résiste pas dans le temps. Du coup, je ne prends plus que les blocs 30-15, voire les 20-15 quand il y en a.
Et surtout, ceux-ci, c'est très bien parce que comme ils ne sont pas doubles, hein, ils ne sont pas recto-verso, donc j'ai moins de scrupules pour m'en servir comme déco sur mes structures d'album. De toute façon, je passe. Voilà. Super, on a un nouvel. Donc, il y a déjà le premier. Je vous le montre de près, mais je pense que vous les aviez déjà toutes vues. Hein. Je me sens que celui-ci, de toute façon, j'ai déjà vu une paire de fois sur les différentes YouTubeuses, sur les différentes vidéos de scrap. Donc, vous savez, il y a deux pages avec du foil argenté et puis deux pages plutôt brillants, quoi. Normal. Ouais. Voilà. Bon. Ceux-ci sont très jolis. Hein. Donc, j'ai pris celui-ci. Je ne les ai pas tous pris. Hein. J'ai pris que ceux qui me plaisaient vraiment. Donc, celui-ci. Celui-ci, je sais pas. J'ai pas eu l'impression de l'avoir beaucoup vu. Donc, du coup, est-ce que je vous le montre? Est-ce que je vous le montre pas? Non, ne montre pas. Si, si, on va le montrer. Non. On va le montrer. On va essayer de le montrer assez rapidement. Avec des petits triangles. Ouais, vas-y, je dis. Triangle. Tâches. Des tâches. 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 Oh! J'étais trop vite, je crois. Tâches. Ah! Bon, bah, la technique est pas top. Hein. Comme des petits arbres. C'est des flèches, ou des petites flèches, ou des branches, oui. Donc, avec le foiled. Là, encore. Sans foiled. Des triangles, j'adore. Triangle assemblé, ouais, trop beau. Avec plein. Oui, ils sont beaux, ils sont sympas, ouais. Ceux-là. Encore. Ouais. De là. Je sais pas. Voilà, des petites sortes de carrés. Des formes géométriques, etc. J'aime beaucoup, en fait. Que ça soit celle avec ou sans feuille, pour l'instant, elles sont toutes très jolies. Alors, j'ai bien du mal. Des sortes d'étoiles. Ouais, comme des petites étoiles, des fleurs. Voilà. Donc là, on voit pas trop la différence. Flocons. Après. Non. Je sais pas, nous, à l'école. Ah, je vais trop vite. Oh, quel neuneu aujourd'hui, mais quel neuneu. Il y a des jours comme ça où c'est pas... Donc là... Il y a mon PE accent RE. Il n'y a pas Iris, c'est pas grave. Là, encore avec des taches de différentes couleurs. Et donc, sans fold. Mais voyez, il y a du glaçage, en fait, comme des effets glossy. Voilà. Alors, donc celui-ci. Mais moi un peu. Bah je termine les trucs, hein, les. Donc celui-ci avec les cactus. Hein, celui-ci, je sais que vous l'avez qu'on l'a bien toutes vues. Une paire de fois. Bah alors tu veux peut-être. Je tourne rapidement. Voilà. Les cactus. Tâche. Un peu le même système. Voilà. Et le dernier. Et c'est ton tout dernier avec, truc. Avec les flamants roses, les ananas, les pastèques, en fait, ça sent bon l'été. Alors que ce n'est pas du tout le cas avec le temps dernièrement, que ça soit n'importe où. Très rapidement, vous voyez, très rapidement. Hop. Et donc, ces blocs sont à 1,89. Voilà, j'ai fini, moi. Ok. Tu termines, toi ? Alors. Allez. J'ai un cube anti-stress. Alors ça c'est... Donc... L'achat du siècle, hein, je vous le dis tout de suite. Donc là c'est comme les trucs pour allumer et éteindre les lampes. Là c'est comme sur les plaies. Parce que chaque symbole est... Ah d'accord, là, c'est comme les interrupteurs, ok. Là tu sais pas, bah, c'est comme quand on... Je sais pas. Là, t'as une bille comme sur une la... Boule. La play. Ouais, ou la souris. Ah ouais. Voilà. Et là, c'est juste un truc pour tourner. Voilà, la dernière nouveauté, ça coûte quand même 7,99€. 7,95€ ou 99€, je ne sais plus. Soi-disant un truc anti-stress qui fait, hein, comme je vous dis, voyez, dans la main, ça fait quoi 5 cm sur 5 cm, quoi. C'est pas le sien. Ouais, bah oui. Bah, comme après, ça me détracera le jour de la rentrée. Ah ouais.
C'est pas moi qui le paye. Donc ça en plein interro. Mais voilà. Donc, c'est fini. On a fini. On a fait le tour. 15 minutes. Ouais, c'est bien. On a été rapide. 15 ouais. minutes. Eh bien, le haul est terminé. Elle vous la retrouver après. Ouais, vous me retrouverez à l'étage pour faire votre présentation. Pour faire ma présentation de son calendrier. D'album. Oui. Voilà. Alors, Romane, on dit quoi? À plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bis. J'ai fait ce quiz. Et puis moi, à tout de suite. Alors, comme je viens de vous le dire, on se retrouve donc pour une petite présentation d'album. Alors, cet album en particulier, réalisé sur le thème de Pâques. Alors, les photos datent de 2014. Hein. J'ai un peu beaucoup de retard dans certains albums. J'ai beaucoup de structures déjà de réalisées, mais j'ai du mal à les remplir, en fait. Alors, avant de commencer la présentation, je vais juste vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Alors, j'ai pris un paquet de double cartes et d'enveloppes qu'on trouve chez Action. J'ai utilisé pour ce faire 7 enveloppes et puis, je crois, 4 ou 5 double cartes sur le lot. Donc là, je vais vous montrer un premier modèle, mais en fait, j'en ai réalisé en tout 3. En partant toujours d'un paquet d'enveloppes, mais ils sont montés différemment. En fait, j'ai utilisé ce bloc de papier. C'est un bloc de papier qui doit avoir un an et demi. Je ne sais plus exactement, mais là, vous ne le trouverez plus. Je trouve qu'il se prêtait très bien aux couleurs de Pâques. En fait, j'ai utilisé aussi des tampons de chez Scrap à la carte. Celui-ci essentiellement, chaque instant est unique. Là, si je fais bouger le trépied, ça n'ira pas. J'ai utilisé aussi toujours de Scrap à la carte, formidable souvenir. J'ai utilisé cette planche de tampons de chez Scrap Plaisir qui s'appelle Photographie. Donc c'est plein de petits mots sur le thème des photos, etc. Qu'on s'amuse donc à tamponner et puis après on coupe ou des étiquettes, des phrases. Vous le verrez dans l'album. J'ai aussi utilisé cette planche de tampons. Dans cette planche, j'ai utilisé 4 tampons principalement. Clic-clac dans la boîte, un modèle parfait. Instant magique et puis cliché souvenir, voilà. J'ai utilisé cette planche avec alphabet, est-ce que j'ai pris la feuille où j'ai noté, elle est là en fait, qui me permet de créer des alphabets, enfin on peut créer de différentes couleurs, etc. Il suffit de tamponner les alphabets et après on détache les lettres. L'avantage, voilà, c'est qu'on peut faire différentes couleurs pour nos lettres, mais aussi on peut s'amuser à teinter une page pour assortir. Donc voilà. Et j'ai utilisé cette planche de tampon donc sur le thème de Pâques. Et là, mis à part à lapin, averti en vendu et réuni en ce jour, tous les autres tampons sont dans l'album. Et puis enfin, j'ai utilisé cette planche de stickers que j'ai achetée il y a peut-être un mois hein, chez Action, qui faisait partie de ce lot de stickers sur Pâques. Voilà. Voilà, donc là, je vais l'oublier. Et puis j'ai utilisé du masking tape aussi de chez Action, donc un verre d'eau avec du gold, avec du foil de gold, foil d'or, et puis donc le rose. Pareil. Voilà, donc voilà pour le matériel. Bon, je vais faire juste un petit peu de place parce que quand on déplie l'album, j'en ai besoin. Et puis, je commence tout de suite cette présentation. Ah, et puis évidemment, un ruban. Voilà. Alors, ça commence par une grande pochette avec à l'intérieur donc une double carte. Voilà, vous voyez, Pâques 2014, je ne vous montre pas. Là, on voit donc Romane
qui était encore un petit bébé, qui venait d'avoir 6 ans. Donc là, elle montre fièrement l'œuvre qu'elle a réalisée, parce que la première partie est consacrée à la chasse aux œufs que la commune organise. Et puis, il demande sans obligation que les enfants amènent un œuf qu'ils réalisent pour le fixer sur l'arbre de Pâques, ou à l'endroit où on fait la chasse aux œufs. Donc, tampon donc SP, hein, ce sera plaisir. Et puis... Donc, une petite photo qui démarre, qui montre le démarrage de la chasse. Puis, un petit stickers. Ici, plusieurs petits stickers simplement assemblés pour faire un petit truc sympathique. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, au niveau de la déco, ça reste très, très sobre. Hein. Donc, petit tamponnage scrap plaisir, un petit peu de masking tape. Le papier étant déjà quand même bien chargé au niveau du bloc. Pas la peine de mettre trop de fioritures. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi, comme je vous le dis à chaque fois. On ouvre. Donc, on a un deuxième, ce qui forme un rabat, mais c'est simplement une carte, une troisième carte, du coup, avec à l'intérieur deux photos. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'a pas la carte, donc. Les petits mots que je vous disais de la planche photographie, hein, qu'on monte et qu'on colle comme on veut. Je me suis amusée à quasiment mater toutes les photos et puis en fait à les découper en rond, en carré pour l'album. Donc là, un petit tag. Ah, ça c'est une chose que j'ai oublié de vous montrer. C'est tiré, ce petit tag est réalisé avec cette planche de dice qui vient de sortir de chez Scrap Plaisir. Voilà. Ensuite, donc, j'ai fait ça, hein, marquant chasse aux œufs organisée par la commune avril 2014. On a un premier tag recto, donc petit stickers, masking tape. L'autre côté, masking tape aussi, hein, c'est toujours essayer d'en rappeler. Et puis, en fait, il y a un regard malicieux. En fait, c'est tiré de ces méchutes. Hein, on a des petits mots dans certaines éditions, ça c'était la collection bucolique. Donc voilà, et je garde tout et je m'en sers régulièrement. Principe de planche de tampon. Voilà. Alors, ensuite la page du milieu, donc avec les cloches sont passées. Donc là maintenant c'est à la maison, donc dans le jardin, hein, fait avec, comme je vous avais indiqué, l'alphabet qu'on tamponne, etc. Sur les petits carrés autocollants. Hop, ça se passe donc comme ça. Le petit mot smile qui vient donc de la petite planche de tampon en toi comme modèle préféré. Des petits stickers, toujours matés. Hein, donc dice rond ou carré avec de la fausse couture, même pour les photos en fait. Et puis donc c'est la quatrième carte donc, avec à l'intérieur une grande photo. Bon, sourire coquin, voilà, et donc modèle préféré. Hop, là, on voit plus, modèle préféré. Je vais refermer, on tourne, donc toujours avec le même principe, hein. La petite photo, un petit peu de stickers, là, on ouvre un rabat, petite photo, instant magique, donc tirer de la grosse planche de tampon, suspendre le temps, toujours ces petits stickers, rien. Donc toutes les photos, alors certains, soit vous pouvez mettre des grosses photos ou comme moi couper ce qui vous intéresse que sur les photos, comme ça ça en plus au lieu d'en mettre 3, là moi j'en ai 5 par exemple. Donc, voilà. Ensuite voici la cinquième partie avec une photo à l'intérieur, des yeux qui brillent et souvenirs gravés. Voilà. Ici, c'est un pochoir, profitez de chaque instant. Donc, vous avez pu remarquer sur chaque tablette, à chaque fois, je pars avec le principe donc, du papier. Et puis, petit rappel du masking tape. Ici, tamponnage tiré donc, de la planche de tampon paquet colorisé au feutre à alcool. Que nous, les feutres à alcool de chez Scrap Plaisir, que nous vendrons depuis peu. Et puis donc, le petit lapinou.
Voilà, mis sur un petit tag aussi. Et puis, donc, on arrive à la dernière de couverture où il y a deux pochettes. Alors, moi, j'ai choisi de mettre simplement une photo dans chacune parce que j'avais peur plus de photos. Avec donc un modèle parfait. Voilà. Mais on peut évidemment y glisser une double carte hein, si c'était nécessaire. Mais ça, je pourrais vous l'expliquer ou le montrer si ça vous intéresse que je fasse un tuto pour ce type d'album. Et puis donc le dernier tampon, hein, overdose de chocolat. Oui, c'est sûr. Enfin, overdose de chocolat, oui et non, parce que en fait, les chocolats de Pâques, les derniers sont terminés peu de temps avant Saint-Nicolas, donc c'est pas vraiment une overdose. On n'en abuse pas, ni Roman, ni nous. Ben voilà, donc c'est comme ça, je vous ai donc présenté ce petit album. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'en ai encore donc deux autres, mais montés différemment, mais toujours en partant de cette enveloppe. Donc si ça vous intéresse, eh ben, je peux continuer à vous faire des petites présentations et surtout à vous faire des tutos. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt. Bon scrap. Bye bye.